Merci, madame. À l'entame de cette adresse à la presse, je voudrais remercier mesdames et messieurs les journalistes, d'abord pour leur présence massive, mais ensuite pour avoir bien voulu se plier aux exigences sanitaires du moment nécessité par la pandémie du COVID-19. Je voudrais également, à travers eux, prier toute la population ivoirienne de bien vouloir respecter scrupuleusement les gestes barrières énumérés par le gouvernement afin de freiner la propagation de la pandémie. Sur ce, je vais vous livrer à présent le propos introductif. Le 23 décembre 2019, le parquet a ouvert deux informations judiciaires. La première, contre M. Kone Kamarate Souleymane et autres, pour détournement des deniers publics portant sur la somme de 1,5 milliard de francs, complicité de détournement de deniers publics, recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. La deuxième, contre M. Soro Kibafori Diom et autres, pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et complot. Le 24 décembre, une troisième information judiciaire a été ouverte contre M. Lobognon Anima Alain Michel et 14 autres pour diffusion de nouvelles fausses tendant à jeter le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement et ayant entraîné une atteinte au moral de la population et atteinte à l'autorité de l'État. Sur le dossier de détournement des deniers publics portant sur la somme de 1,5 milliard de francs, complicité de détournement des deniers publics, recel de deniers publics, détournement des deniers publics et blanchiment de capitaux, eu égard à la qualité d'ancien membre du gouvernement de M. Soro Kibafori Guillaume, la procédure de recel de détournement des deniers publics le concernant a été séparée de celle de ses co-inculpés. Un conseiller de la Cour de cassation désigné a conduit l'instruction judiciaire qui a abouti le 9 mars 2020 à une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Notification de cette ordonnance de renvoi a été faite le 10 mars 2020 à l'agent judiciaire du Trésor représentant l'État de Côte d'Ivoire, partie civile. Et le 11 mars 2020, au conseil de l'inculpé de M. Soro Kibafori Guillaume. Le 16 mars 2020, Maître Oupo Karine, avocate conseil de M. Soro Guillaume, a relevé appel de cette ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Le 25 mars 2020, la Chambre d'instruction de la Cour d'appel d'Abidjan a rendu un arrêt de rejet de l'appel interjeté contre l'ordonnance de renvoi de M. Soro Kibafori Diom devant le tribunal correctionnel. Le 27 mars 2020, par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel, les avocats de la défense de M. Soro ont formé un pouvoir en cassation contre l'arrêt rendu par la Chambre d'instruction. Le 10 avril 2020, la Cour de cassation a rejeté le pouvoir formé par la défense de M. Soro Diom. En vue de l'audience du 28 avril 2020, l'huissier de justice, M. Cissé Yao Jules, a délivré citation à prévenu à son dossier dernier domicile connu le lundi 20 avril 2020 à 11h45 minutes. Et ce,
conformément au code de procédure pénale. Ne l'ayant trouvé au dit domicile, il s'est transporté le même jour au cabinet de son avocat, Maître Diallo Soudemane, si à Cocody, cité cadre, où il a été reçu par ce dernier à 15h39. Celui-ci, ayant pris connaissance de l'acte, a déclaré qu'il n'a pu contacter son client au téléphone et que s'il prend l'acte, il se verra dans l'obligation d'être présent à l'audience. Or, il n'a pas été autorisé par ce dernier. Le lendemain, mardi 21 avril 2020, à 13h03, l'huissier désigné s'est rendu au cabinet Oufoué Soro et Associés, si au plateau à l'immeuble Acacia, deuxième étage. Il a été reçu par Maître Soro, qui a refusé de recevoir copie de son acte, le compte du prévenu. L'affaire a été appelée à l'audience du mardi 28 avril 2020 et le tribunal a condamné le prévenu Soro Kibafori Guillaume à la peine d'emprisonnement de 20 années ferme, à 4 500 millions de francs d'amende, à 5 années de privation des droits. Le tribunal a également prononcé la confiscation au profit de l'État du bien immobilier recelé. Relativement à M. Kone Kamarate Souleymane et autres, la procédure de détournement de deniers publics, complicité de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux a abouti à une ordonnance de renvoi qui a fait l'objet de recours de la part des conseils des inculpés. Un recours contre l'ordonnance de renvoi des inculpés devant le tribunal correctionnel est exercé devant la chambre d'instruction et un autre recours en suspicion légitime exercé devant la cour d'appel contre le président de la chambre d'instruction. Sur les dossiers d'atteinte contre l'autorité de l'État, la procédure suit son cours et a connu des avancées notables. En effet, dans le cadre de cette information judiciaire, le juge d'instruction a, suivant commission rogatoire datée du 27 décembre 2019, instruit la section recherche de la gendarmerie nationale à l'effet de procéder aux actes d'instruction ci-après. Perquisition des domiciles et résidences des inculpés, saisie de tous les objets suspects, notamment armes, munitions, uniformes militaires et objets dangereux. Enfin, audition de toute personne susceptible de fournir des informations relatives à l'origine des objets saisis. Agissant conformément aux missions de cette commission rogatoire, les officiers de police judiciaire ont procédé à la perquisition des différents domiciles et résidences ainsi que des lieux divers. Les dites perquisitions ont abouti à la saisie de 17 véhicules, dont 4 ayant servi au transport d'armes et de munitions, initialement stockés au siège du mouvement Génération et Peuple Solidaire à Cocody Riviera Golf, en direction de la ville balnéaire d'Assini, pour y être précipitamment immergés dans la lagune en prévision d'éventuelles perquisitions. Cette découverte vient ainsi corroborer l'une de mes précédentes interventions au cours de laquelle je vous avais fait état de l'appel à l'insurrection lancé par un groupe de personnes, dont des députés au siège du mouvement Génération et Peuple Solidaire. Aujourd'hui, l'enquête permet d'établir que le siège de ce mouvement politique servait à l'entreposage d'armes. Il a été également découvert à ce siège un lot de matériel militaire de communication, dont un appareil permettant de capter les mouvements des forces armées
ainsi que des documents qui ne laissent aucun doute sur les actions et les objectifs de ce mouvement politique. Les 4 véhicules ayant servi au transport d'armes et de munitions à Sini appartiennent au nommé Zébré Souleymane en fuite. Ce dernier avait déjà été cité dans le dossier de la découverte des caches d'armes de Boaké et dans lequel il avait nié les faits. Pour rappel, les premières perquisitions avaient permis la découverte dans le fond lagunaire d'Assini de diverses armes et munitions, notamment 50 fusils de type Kalachnikov AK-47, 12 lance-roquettes RPG, 4 fusils mitrailleurs FM et 1 million de munitions et d'obus correspondant aux armes découvertes. Les agents enquêteurs commis ont procédé à diverses auditions, notamment à celles d'employés de maison et de militaires précédemment chargés de la sécurité de l'ex-président de l'Assemblée nationale. À ce stade de l'enquête, les éléments en notre possession, notamment les traces digitales sur les armes sorties de la lagune, les données de téléphone portable et certains documents, ont permis l'interpellation de 19 personnes, dont 14 militaires, 2 officiers supérieurs et 12 sous-officiers, et de 5 civils en lien avec les faits susvisés. 15 parmi elles ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt le vendredi 17 avril 2020. Je vous remercie, fait à Abidjan le 5 mai 2020. Donc, pour les questions, on le fera comme d'habitude. L'organe de presse, le nom de la personne et ensuite la question. OK. Parfait. Bonjour, Pierre Pinto, RFI. Sur ces 19 personnes arrêtées, interpellées, que vous venez d'évoquer, je ne sais pas si on m'entend, oui. Est-ce qu'il peut se rapprocher un peu? Je n'entends pas bien. On a des masques, donc est-ce que vous pouvez faire l'effort? Si je parle plus fort, comme ça, vous m'entendez mieux? Non? OK. Sur les 19 personnes interpellées que vous venez... L'organe de presse, votre nom, et puis la question, s'il vous plaît. Pierre Pinto, de RFI. Sur les 19 personnes interpellées que vous venez d'évoquer, où est-ce qu'elles ont été interpellées? Est-ce que c'est uniquement à Abidjan? Il y en a qui ont été arrêtées à Boaké. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur leur identité, s'il vous plaît? Merci. Jérôme Dri pour le quotidien Le Nouveau Réveil. Ce procureur, je voulais revenir un peu sur le premier dossier où le président Soro Guillaume a été condamné à 20 ans. Lors du procès, des personnes ont été citées, des personnalités, je veux dire, ont été nommément citées. Je vais parler de l'ex-DGA du Trésor, qui est aujourd'hui ministre auprès du président de la République, qui est connu. Je vais parler de l'ex-ministre de la Construction, M. Amo Tanou, qui a été cité. Est-ce que le juge va faire comparaître ces personnes qui ont été nommément citées pour le claquement de la vérité? Merci. Bonsoir, monsieur le procureur. Olivier Dion, journaliste à l'Intelligent d'Abidjan. Alors, vous avez parlé d'un certain Zébré Souleymane que vous avez
dont vous connaissez l'implication dans les événements de Boaké. Qu'est-ce que vous savez exactement sur cet individu, sa nationalité, qui est-il exactement? Merci. Monsieur le procureur, je suis Yapi Koulibaly du quotidien Le Jour Plus. Dans l'affaire de la villa de Makori à Vicenne, Guillaume Soro a été condamné du fait parce qu'il serait le receleur. Donc, s'il y a un receleur, c'est qu'il y a un voleur qui a volé pour vendre. Qui est le voleur et pourquoi il n'est pas poursuivi? Je crois que, oui, on va répondre à cette première question. Et je pense que ça va certainement susciter des vocations. Alors, monsieur de RFI a parlé de plus de précisions relativement aux personnes, aux 19 personnes récemment interpellées. Où est-ce qu'elles ont été interpellées? Est-ce seulement Abidjan ou est-ce que des personnes ont été interpellées en dehors d'Abidjan? Je vous ai indiqué que on a dû procéder à une commission rogatoire que le doyen des juges d'instruction a dirigé au niveau de la section recherche de la gendarmerie nationale. Et donc, une enquête approfondie selon les missions édictées par le juge d'instruction, une enquête approfondie a été menée. Je vous ai également parlé de l'extraction des données des cellulaires, de l'audition de diverses personnes, le tout ayant permis donc d'interpeller 19 personnes. Sur ces 19 personnes, je vous ai également indiqué que 14 faisaient partie des officiers et sous-officiers, 2 officiers supérieurs et 12 sous-officiers. Pour le moment, je ne peux que vous donner ce genre d'informations. Comme je dis, ces personnes ont été récemment interpellées. Le juge d'instruction est en train de continuer son information judiciaire et comme on l'a fait la précédente fois, dès qu'on aura suffisamment d'éléments, effectivement, on pourra vous en dire plus. Mais pour le moment, je ne peux vous dire qu'il y a eu 5 civils et 14, n'est-ce pas, forces de l'ordre, dont 2 officiers supérieurs. La plupart ont été interpellés à Abidjan, dans ses environs. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Mais comme je l'ai indiqué, la commission rogatoire, qui est la mission délivrée par le juge d'instruction, a été dirigée aux enquêteurs. Ils ont fait un premier travail et le juge d'instruction est en train donc de l'approfondir. Monsieur Jérôme Ndri de Nouveau Réveil, lors du procès de Monsieur Soro Kipafoudiom dont on a fait état tantôt, vous avez dit que plusieurs personnalités ont été interpellées, ont été citées notamment l'SDGA du Trésor et ensuite l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Marcel Amontano. Tout à l'heure, dans le propos liminaire, je vous ai indiqué que le dossier de détournement, de complicité de détournement des deniers publics, de blanchiment de capitaux et de recel a été scindé. L'un des dossiers s'est retrouvé, compte tenu de la qualité de membre de gouvernement à l'époque de la commission des faits de M. Soro Kipafoudiom, ce pan de procédure a été détaché et il est parti à la Cour de cassation où un conseiller a été désigné pour mener l'instruction. L'instruction est achevée, la procédure est passée à l'audience et il y a eu donc la condamnation. Mais je vous ai également indiqué dans le propos liminaire que l'autre pan du dossier, dans lequel le doyen des juges d'instruction est totalement compétent, il y a eu une ordonnance de renvoi. Malheureusement, cette ordonnance a fait l'objet de voies de recours. C'est pour cela qu'on ne peut pas encore parler de procédure définitive. Donc, tant que la procédure n'est pas encore définitive, c'est que cette instruction va se poursuivre. Mais soyez rassurés. On a dit que c'était contre Kone Kamaraté Souleymane et tous autres. C'est vrai que, dans un premier temps, ceux sur qui
L'information a débuté. C'est M. Kone Karaté Sulouman, M. Cissé Mori, la SCI Ebure. Il y a eu également Maître René Nguissan, qui est le notaire, qui a officié donc à la vente. Mais l'information était ouverte contre X. Tous ceux qui sont impliqués, à part les personnes que j'ai nommément citées, parce qu'effectivement, ils avaient été déterminés dès le départ, tous ceux qui sont impliqués vont être, n'est-ce pas, poursuivis. Vous savez qu'il y a une possibilité d'entendre les membres du gouvernement. C'est ce qui d'ailleurs a été fait. Il faut un décret en Conseil des ministres. Donc nous avons entendu certaines personnes dans le cadre de la procédure. Et si toutefois ces personnes se trouvent impliquées parce qu'il existe des indices concordants, ces personnes, comme tous les citoyens, nul n'étant au-dessus de la loi, vont être obligées de répondre de leurs actes. Quant à l'intelligent d'Abidjan et la parole de M. Zébré Souleymane, effectivement, je l'ai indiqué, lors de l'exécution de la commission rogatoire décernée par le doyen des juges d'instruction à la session recherche, on s'est rendu compte, les enquêteurs, en tout cas, ont découvert que des véhicules avaient transporté précipitamment les armes d'un point A au point B, qui est le plan d'eau lagunaire à Assini. D'ailleurs, je vous avais montré, lors de ma première conférence de presse, les images des armes, et je viens encore de vous les citer. Et l'exploitation des données numériques a permis de retrouver les véhicules dans lesquels ces armes avaient été transportées. Parmi ces véhicules, 4 sont immatriculés au nom de M. Zébré Souleymane. Et j'ai également indiqué que déjà, à l'époque de la découverte des 4 dames au domicile de M. Kone Karaté Souleymane, son nom avait été cité. Il avait même été auditionné. Il avait nié les faits. On se retrouve encore avec la même personne dont les véhicules ont transporté les armes et aujourd'hui, il a disparu. Rassurez-vous, les enquêtes se poursuivent et il sera forcément découvert. Et s'il l'est, il va comparaître pour répondre des actes qui lui sont imputés. Ça, je peux vous rassurer. Quant à M. Diaby de Quotidien Le Jour, M. Soro a été condamné comme receleur. Qu'en est-il des autres personnes poursuivies, notamment ceux-mêmes qui ont commis les faits de détournement de deniers publics et de complicité de détournement? Je crois que j'ai répondu à cette question. Mais ce que je tenais à préciser, et ça a été abondamment dit ces temps-ci, le recel est une infraction autonome. C'est-à-dire que pour poursuivre un recel ou un receleur, on n'a même pas besoin d'avoir celui qui a commis l'infraction. Il s'agit pour celui qui détient le bien, objet donc provenant donc de ce vol-là ou d'un abus de confiance ou d'un autre délit ou d'un crime, il s'agit pour ce dernier de savoir que l'objet recelé provient d'une infraction. C'est tout. Mais comme je vous ai indiqué, les auteurs, les complices sont toujours devant le doyen des juges d'instruction. L'ordonnance qu'il a déjà prise a fait l'objet de voies de recours, mais pour le moment, l'affaire se trouve encore en cours. Et quand elle va s'achever, tous ceux qui ont détourné, qui ont trempé dans le détournement, tous ceux qui ont été complices vont également répondre de leurs actes puisque personne n'est au-dessus de la loi. Donc cette infraction de recel, comme je dis et je tiens à le souligner, c'est une infraction autonome qui n'a pas besoin forcément au cours de son jugement de savoir qui a détourné le bien. Mais comme je vous dis, je vous ai rassuré, l'enquête et encore l'information judiciaire pour ceux qui ont détourné, pour ceux qui ont fait la complicité de détournement, c'est encore en cours. Donc voilà ce que je t'ai dit. J'avais déjà dit, mais la précision est également de taille.
Daniel Nessemo, du quotidien Le Bélier. Le quotidien ? Le Bélier. Le Bélier, d'accord. Merci. Juste savoir si les avocats de Soro ont reçu une convocation afin de participer au procès du 28 avril. Sinon, pourquoi ? Je veux également quelques éclaircies au niveau de l'infraction. Soro est-il poursuivi pour détournement de fonds ou recel de biens immobiliers ? Merci. Allô ? Allô ? Oui, oui, d'accord. Voilà, voilà. Je suis Cyril Djedjed du journal L'Inter. Monsieur le procureur, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dans une dernière décision, a ordonné la suspension des poursuites contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et la libération de ses proches détenus. Quel commentaire faire, monsieur le procureur ? Merci. Bonsoir, monsieur le procureur. Je suis Noël Zakou de Génération Nouvelle. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut avoir clairement les éléments qui fondent l'appel à l'insurrection et de qui viennent-ils ? Est-ce que c'est M. Soro qui a tenu des propos de nature à attenter à l'État ou ce sont ses proches ? Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur le procureur. David Hainaut de l'agence France Presse. D'après vos investigations, quel devait être le mode opératoire de l'insurrection et à quelle date ? Monsieur le procureur, c'est Jérôme Dré du quotidien Le Nouveau Réveil. Juste une précision. Vous avez dit qu'il y a 19 personnes qui ont été arrêtées suite à l'enquête et 14 militaires. Est-ce que vous avez pu établir un lien entre ces militaires et l'ex-président de l'Assemblée nationale? Liane de Bassompierre, journaliste agence Bloomberg. Avez-vous commencé avec Liane de Bassompierre, journaliste agence Bloomberg? Bloomberg. Ah, d'accord. Avez-vous commencé avec le procès d'extradition de M. Soro? On peut, d'accord. Alors, le quotidien Le Bélier, je crois que c'était la première question de la deuxième vague. Est-ce que les avocats de M. Soro ont reçu une convocation pour l'audience du 28 avril? Sinon, pourquoi? Je savais bien que cette question m'allait m'être posée parce que ça fait l'objet, n'est-ce pas, de beaucoup de supputations. Alors, c'est pour ça que je suis venu avec l'espoir du CIE. Les espoirs du CIE sont là. Hein. On pourra, comment on appelle ça, ce sont des pièces d'espoir de la procédure. Je vous les brandis comme ça sans toutefois vous les donner. Je vous ai indiqué que pour qu'une audience puisse se tenir, la loi fait obligation au procureur chargé donc de préparer l'audience, de faire servir des citations non seulement aux prévenus, aux parties civiles, mais également aux témoins qui vont venir à l'audience pour pouvoir, n'est-ce pas, donc déposer, pour éclairer la religion des juges. La loi fait obligation au procureur de servir la citation du prévenu qu'on n'a pas retrouvé, parce que vous le savez, M. Soro a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international qui vaut inculpation. La loi fait obligation au procureur, en pareille occurrence, de faire délivrer une citation à son dernier domicile connu,
Et le dernier domicile connu de M. Soro étant celui de Macquarie résidentielle, l'huissier s'y est transporté. Évidemment, l'huissier ne l'a pas trouvé. Quand l'huissier ne le trouve pas, il sait également qu'il a des avocats. Il a deux collectifs d'avocats. Et à la tête de ces collectifs, il y a des avocats. Maître Diallo Suleiman pour le premier lot d'avocats et Maître Soro du cabinet Soro Oufoué Associé pour le deuxième groupe. L'huissier de justice est allé rencontrer ses avocats. Je vous ai indiqué dans le propos liminaire, même les heures, il a rencontré physiquement les avocats. Ça, ce n'est pas contesté, ça y est dans le dossier. J'ai même été ahuri d'apprendre que des avocats avaient été suppris. Non. Non. L'huissier de justice a l'obligation de mentionner toutes les diligences par lui accomplies sur son exploit. Et ça est là. Et les avocats savent bien, ils peuvent consulter la procédure. Mais ils ne sont pas venus. Mais Diallo l'a également dit. Lui, il a dit, moi je ne prends pas parce que je n'ai pas reçu l'autorisation de participer à l'audience. C'est son droit. Vous savez, le procès pénal, la procédure pénale se termine toujours à l'audience. Plusieurs voies de recours ont été exercées par les mêmes avocats. Quand il y a eu l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel par le haut conseiller désigné de la Cour de cassation, il y a eu des voies de recours. Mais dès lors qu'on dit audience, les voies de recours, évidemment, qui ont été exercées par les avocats de la défense. Donc, quand il y a un acte de juridiction, là, il y a des recours. Mais quand on dit qu'il y a audience, là, on ne vient pas. Bon, cette participation sélective aux œuvres de justice ne regarde que les personnes, n'est-ce pas, qui s'y abonnent. Mais le juge, il articule toujours ses décisions autour des faits qui sont débattus devant lui à l'audience. Et c'est à l'issue qu'il a pris sa décision. Le Bédier a également demandé si M. Soro était poursuivi pour détournement de fonds ou recel de détournement. J'ai également dit qu'il y avait deux infractions. Il y a le recel de fonds provenant du, comment on appelle ça, du bien qui a été acquis avec les deniers publics. Donc, recel de détournement des deniers publics frauduleusement soustraits des caisses de l'État. Mais il était également poursuivi pour l'effet de blanchiment de capitaux pour cette procédure qui était donc devant la Cour de cassation. Le conseiller a déjà fini. Le tribunal a également rendu sa décision. À côté de cela, je vous ai indiqué qu'il y avait d'autres procédures qui concernaient surtout les atteintes et les complots à l'autorité de l'État, qui sont encore, ces procédures-là, qui sont encore pendantes devant le juge d'instruction. D'autres ayant fait l'objet de voies de recours. Le monsieur de l'Inter, il a parlé de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, qui a ordonné donc la suspension des poursuites. Qu'est-ce que j'avais de commentaire à faire? Je n'ai aucun commentaire, puisque c'est au gouvernement à qui l'exécution incombe. Et le gouvernement a clairement défini sa position. Donc vous n'allez pas me demander encore à moi, qui ne suis pas destinataire, d'opiner. Je crois que la décision du gouvernement est assez claire. Et je n'ai pas vocation à y revenir. Vous pouvez vous en tenir à celle-là. Génération nouvelle, vous avez parlé de l'appel à l'insurrection. De qui est-il? Est-ce de M. Soro ou d'autres personnes? Je crois que j'ai bien compris, génération nouvelle. C'était bien ça la question.
l'appel à l'insurrection, est-ce de M. Soro ou bien est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Quels sont clairement les éléments qui fondent l'appel à l'insurrection dont vous parlez? D'accord. Et de qui vient-il? De M. Soro ou de ses proches? D'accord. Je vous remercie. Je crois qu'on était sur la même mesure d'onde. Je l'ai indiqué lors de la première conférence de presse. Aujourd'hui, on n'en a pas largement parlé. Il y a eu une bande sonore dont on a donné, n'est-ce pas, on vous a permis d'écouter, où des personnes nommément désignées s'entretenaient et donnaient des informations où on parlait d'abord du discrédit et ensuite qu'il fallait actionner un bouton. Ensuite, d'autres personnes, dont des députés, je l'ai également indiqué ici, ont commencé exactement la même chose et s'étaient réunis en train de propager des forces nouvelles, tout cela dans le but d'aboutir à une insurrection armée. Hein, je ne vais pas revenir sur les paroles. Ça, je crois que c'est assez clair pour tout le monde. Mais comme on le dit, le juge d'instruction est encore en train d'investiguer sur cette procédure. Mais déjà, au cours de la première conférence de presse, je vous avais fait écouter la bande sonore. Je vous avais dit également que les enquêtes se poursuivaient. Je vous avais également dit que d'autres personnes, dont des parlementaires, s'étaient livrés aux mêmes choses. Appel à l'insurrection, discrédit sur les institutions en place. On a même découvert le lendemain donc des mandats de l'instruction, de l'enquête ouverte, on a découvert des armes sur le plan d'eau lagunaire. Et la commission rogatoire du juge d'instruction, l'information judiciaire nous a permis de savoir quelles sont les personnes, par quels moyens ces armes ont été transportées et où elles étaient. Je vous ai également indiqué dans le propos liminaire. Donc moi, je crois qu'il faut laisser le juge terminer, mais pour le moment, je vous mets à disposition les informations que j'ai et qui ont été largement donc détaillées lors de la précédente conférence. L'AFP, quel était le mode opératoire? Est-ce qu'il peut reprendre, s'il vous plaît, l'AFP? Oui, je vous demandais, d'après vos investigations, quel devait être le mode opératoire de l'insurrection et à quelle date devait-elle se produire? Oui, je reprendrai un peu comme ce que j'ai dit au monsieur de Génération Nouvelle. Lors de la première conférence, je vous ai indiqué et j'ai même permis qu'une bande sonore soit diffusée, dans laquelle bande sonore, il a été clairement indiqué les différentes étapes de l'insurrection qui devait donc aboutir, c'est-à-dire qu'il y avait une première phase de discrédit et ensuite il s'agissait de rentrer pour appuyer sur une télécommande. Ça, ça a été dit. Et moi-même à l'époque, quand je diffusais la bande, j'ai dit qu'il fallait que le juge d'instruction puisse en déterminer l'authenticité. Mais vous avez vu que les heures qui ont suivi, les personnes qui étaient mises en cause par le canal de leurs avocats ont déclaré que la bande était authentique. Bon, évidemment, tout a été dit. Moi, je n'ai rien inventé, je n'ai fait qu'écouter, et avec vous, tout ce qui avait été dit par cette personnalité. Donc, je ne reviendrai pas dessus. Le monsieur de Nouveau Réveil parle de 19 personnes interpellées, dont 14 militaires. Quel était le lieu de leur interpellation? Et est-ce que ces personnes avaient des liens avec l'ex-président de l'Assemblée nationale? Je l'ai indiqué dans le propos liminaire. Monsieur le doyen des juges d'instruction a délivré une commission rogatoire à la section Richet de la gendarmerie. Des enquêtes poussées ont été effectuées parce que vous savez bien que lorsque, à l'époque, on avait commencé l'enquête et qu'on avait annoncé des perquisitions, curieusement, des armes se sont retrouvées sur le plan d'eau lagunaire à Sini, à côté d'une résidence. Évidemment, il fallait rechercher d'abord ceux qui avaient transporté ces armes,
ceux qui les avaient entreposés et pourquoi cela avait été fait. Et c'est dans le cadre de l'enquête, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, certains militaires proches, n'est-ce pas, de la garde de l'ancien président de l'Assemblée nationale ont été interpellés. Certains aveux déjà ont été prononcés. Et nous avons également des preuves numériques qui vont vers ces personnes qui les impliquent fortement. Mais comme je l'ai indiqué, pour le moment, pour ces dernières personnes, les enquêtes du doyen, l'instruction du doyen, ne vient que de commencer. Et par la suite, s'il y a d'autres informations, on pourra les porter à connaissance. Mais je vous confirme que c'est un militaire, n'est-ce pas, membre de la garde de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, font partie de ces personnes interpellées. L'une des dernières questions de l'ouvreur, c'est la procédure d'extradition de M. Guillaume Soro. Pour le moment, comme on l'avait indiqué, M. Soro n'a jamais répondu à une convocation de la justice ivoirienne. Il a été inculpé dans le cadre d'un mandat d'arrêt qui vaut en droit ivoirien, inculpation même pour la personne qui ne vient pas. Le tribunal correctionnel s'est réuni à la date du 28 avril 2020, a prononcé une condamnation et a également, en constatant la caducité du premier mandat d'arrêt, décerné un nouveau mandat d'arrêt tant national et un nouveau mandat d'arrêt international. La décision a été rendue de façon contradictoire. En pareille occurrence, les parties qui n'agréent pas à la décision ont 20 jours pour relever appel. Si après 20 jours, appel n'est pas relevé, la décision deviendra donc définitive. Et à partir de ce moment-là, nous allons donc ventiler les différents mandats pour leur exécution. Pour le moment, c'est ce que je peux vous dire. C'était la dernière question. Monsieur le procureur, Kone Souleymane, je suis journaliste à Kouassi.com. Kouassi, hein? Et je vais revenir sur le procès du 28. Après la défection des avocats de Soro Guillaume, est-ce qu'il n'était pas possible qu'on commette d'office les avocats pour lui, en pareille circonstance? Ok, d'accord. Je remercie M. de Kouassi.com. Est-ce que quand les avocats de M. Soro ont fait défection, est-ce qu'on ne devait pas commettre deux avocats d'office? En droit ivoirien, la commission d'office d'avocats intervient surtout en matière criminelle. Lorsque l'accusé n'a pas les moyens de s'offrir le ministère d'un avocat, ou lorsque la personne a fait appel à l'assistance judiciaire parce qu'elle est complètement démunie ou n'a pas les moyens d'assurer sa défense. Mais en pareille occurrence, depuis le premier jour, des avocats se sont constitués, plusieurs avocats d'ailleurs, je vous ai parlé de deux groupes d'avocats, tant nationaux qu'internationaux, se sont constitués pour M. Soro Guillaume. Donc on ne pouvait plus, et puis on n'est pas dans un cadre criminel, on n'est pas face à quelqu'un qui est indigent. Donc le tribunal ne pouvait pas se permettre de commettre d'office des avocats. Cela dit, tout à l'heure je ne l'ai pas indiqué, mais le dimanche 26 avril, c'est-à-dire deux jours avant l'audience, un groupe d'avocats de M. Soro s'est fendu d'un communiqué dans lequel il a été dit que le tribunal avait déjà condamné M. Soro. Ensuite, que les magistrats qui ont été nommément cités allaient être l'objet de sanctions ciblées. Toute chose pour dire que les avocats, non seulement avaient parfaitement connaissance que l'affaire allait avoir lieu, ont refusé de venir plaider. Mais ensuite, ces avocats se sont fendus en menaces.
Mais vous savez bien que les menaces n'ont jamais fait plier des magistrats. Les magistrats ivoiriens ont été formés. Certains ont été très bien formés. Et ils assument leur mission. Et ce que j'ai toujours demandé aux avocats des uns et des autres, c'est de venir toujours discuter des arguments qui sont produits contre leurs clients, non pas sur les réseaux sociaux ou dans la presse, mais dans un palais de justice. Parce que tous les arguments, tous les faits sont toujours détaillés dans le dossier. C'est dans le dossier du juge d'instruction qu'il faut venir plaider sa cause. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Moi, parfois, je vois ça, ça me fait toujours sourire. Non. Les réseaux sociaux, c'est toujours un espace virtuel. La réalité se passe au palais de justice. C'est l'avocat qui ne vient pas. Le procureur ne peut pas faire la police. Surtout quand l'avocat menace même en citant nommément des magistrats pour dire « Si vous allez à l'audience, on va vous sanctionner. On vous menace de sanctions ciblées. » Bon, écoutez, si le procureur ne vient pas à l'audience, si le juge ne va pas juger, mais il va manquer à son serment. Et je pense que ce n'est pas demain la veille. Oui, exceptionnellement, oui, que si les mains sont levées. On prend deux dernières questions, pas plus. Monsieur le procureur, je suis Arnaud Sou de 7 Info TV. 7 Info, hein, oui, monsieur. TV. Le président Guillaume Soro a porté plainte contre vous en France. Êtes-vous au courant de ce dossier? Si oui, qu'en est-il exactement? Merci. Monsieur le procureur, je suis Patrice Alegbe, journaliste à APA News. Journaliste à APA News. APA News, d'accord. Oui. Vous avez indiqué que 19 personnes ont été interpellées. Oui. J'aimerais que vous reveniez sur les charges pour préciser donc les charges donc retenues contre ces 19 personnes et en particulier les militaires. Merci. Je vous remercie pour les deux dernières questions. Cette info TV. Monsieur Soro Tipafori Guillaume aurait porté plainte contre ma personne. Bon, je n'ai pas encore reçu de convocation pour l'instant. Donc, je ne peux pas savoir encore non seulement les faits articulés, mais effectivement, quelle est la stratégie de défense à adopter. Mais rassurez-vous, ma carrière en tant que magistrat n'est pas longue. Je n'ai que 26 ans de présence dans le prétoire. Donc, tant que c'est une plainte qui est dirigée contre ma personne, si j'ai la possibilité de juger des personnes, c'est que je peux me défendre moi-même ou par le canal d'avocat. Donc, si c'est le cas, dès que les convocations vont venir, on va aviser. Monsieur de APA News a parlé de 19 personnes interpellées. Quelles sont les charges? Je vous ai indiqué que c'est toujours des faits de tentative de complot ou d'atteinte à la sûreté de l'État et de complicité surtout pour ces personnes-là d'avoir tenté de dissimuler des armes pour la plupart du temps. Donc c'est tout, surtout pour ces infractions-là. Ce n'est évidemment pas pour les détournements de données publiques, hein, pour les personnes dont j'ai déjà donné l'énumération, mais c'est surtout pour les faits d'atteinte de complot et d'attentat contre l'autorité de l'État. Oui, c'est de ça qu'il a parlé, oui. C'était sur ça, oui. Oui, c'est juste pour remercier les uns et les autres et prier pour que cette pandémie s'éloigne de la Côte d'Ivoire et du monde. Je vous remercie.